La main de l'Éternel fut sur moi. Amen. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Est-ce que l'ossement est impur ou bien l'ossement est pur? Alléluia. Je pose la question, est-ce que les os des gens qui sont déjà décapés dans leur corps, que la chair a pourri, est-ce qu'ils sont purs ou impurs? Bien-aimé, je vais vous apprendre une chose. Quand tu es pur en tout ce qui est en toi. Amen. Quand tu es impur en tout ce qui est en toi. Si ces gens, ils écrivent des ondes de l'Éternel, ils n'ont jamais été impurs. Amen. Parce que l'os va se relever maintenant et marcher. Mais les os impurs n'ont pas de vie. Ils ne pourront jamais marcher. Mais Dieu ne prend pas soin de l'impureté, mais Dieu prend soin de la pureté. Ça veut dire que ces eaux que je vais vous parler sont des eaux pures, parce que les gens qui les possédaient étaient purs. Amen. Tout est pur pour celui qui est pur. Alléluia. Et tout ce que celui qui est pur touche devient pur. Amen. Avant que tu ne pries, c'est déjà pur. Mais sans foi, sans œuvre, tu n'as pas ce pouvoir. Mais celui au seul qui est ancré dans la foi, que toute chose qu'il arrive, il invoque le nom de Jésus de Nazareth et il voit les faits, c'est un homme pur. Nous devons nous qualifier quand nous le voyons. Nous ne devons pas être désespérés. Nous devons toujours le savoir à travers un témoignage. Alors, bien-aimés, ces eaux, pour l'instant, sont pures. Ce n'est pas des eaux impures. Mais celui qui marche dans les ténèbres, ces eaux sont impures. Alléluia. Mais celui qui meurt, il part dans le sein d'Abraham, ses os sont purs. Alors, bien-aimés, nous allons exercer cette force. Parce que Dieu, il ne ment jamais. C'est une histoire que nous allons suivre.